D'ailleurs, elle est beaucoup mieux que son fiancé, entre guillemets. Cette petite, c'est la fiancée de François? Et bien sûr, il ne pensait tout de même pas que c'était la mienne. Mais si! Mais voilà, tout s'explique enfin! Nous voilà tous réunis, les enfants. Au calme! La petite parfaite des amis, pourquoi? François! On a au moins une chose en commun ici. Et laquelle, ma chérie? On habite tous à la même adresse. Harley! Lumière! Passé de formidables moments depuis le mois de septembre, en fait, ils ont travaillé toute l'année. Je les félicite vraiment pour ce qu'ils nous ont montré ce soir, ils m'ont encore épaté. Merci beaucoup. Alors, j'en profiterai peut-être pour remercier tous ceux qui ont collaboré à cette aventure. Donc bien sûr, tout d'abord, ceux qui étaient en coulisses, Sœur Cécile et Nathalie Soy, qui peuvent venir nous rejoindre. Vous avez le stress en tout. Merci à vous deux. On
Je dis merci à Ben aussi qui est dans le son. Alors on peut remercier également tous les professeurs de l'Assomption qui m'ont soutenu dans cette aventure pour s'occuper du bar, pour s'occuper de la salle, pour s'occuper du décor aussi. Merci à Monsieur Demonge, à Monsieur Bontemps d'avoir permis de réaliser cette aventure. Et je remercie également, parce que je ne l'ai pas mis sur les petits feuillets, le papa d'Aurélien, Monsieur Van Kaloon, qui nous a fortement aidé pour le transport des décors. Merci à vous. Voilà. Et également, merci Madame Foucault qui a géré admirablement la billetterie. Donc, merci. Merci à vous, public, d'être venu. Hein. Et quand même un tout grand merci à M. Gazon qui a quand même tout mené comme un chef. Ouais. Voilà. Non, mais je sais.